6 octobre 1941. Cher journal, me voilà officiellement à Vraise à compter de ce jour. Le voyage depuis Posane a été long et difficile. Nous avons traversé l'Allemagne avec de grandes difficultés. Il nous a même fallu se doyer la garde. « 12 octobre 1941. Je décide d'en savoir un peu plus sur cette ville qui m'accueille. Je commence cette découverte en me rendant à l'hôtel de ville. J'arrive devant un grand bâtiment qui a la forme d'un U. On y trouve un clocher au centre. Ce bâtiment majestueux rend compte de la beauté de cette ville. Ce jour-là, un jeune homme m'interpelle et me propose de visiter le Havre à ses côtés. Il s'appelle Jean. Jean m'emmène désormais à la cathédrale. Il m'explique qu'il a l'habitude d'y aller le dimanche avec ses parents. Je trouve cet endroit magnifique. Je n'ai jamais vu ce type d'architecture auparavant. La Pologne, bien qu'étant un beau pays, n'a pas de bâtiment de la sorte. « 14 octobre 1941. Le regard déterminé, Jean m'avoue qu'il est résistant depuis que son oncle s'est fait tuer par des SS. Il m'expliqua qu'une semaine avant mon arrivée, il s'était rendu au bunker de Sainte-Adresse afin d'y retrouver un espion infiltré dans les lignes allemandes.